sera bien. Et vas-y, assieds-toi. Voilà. Bien installé là. Ouais, on peut commencer. Oui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais te présenter la Birchbox du mois de septembre. Voilà. Oui, il y a mon petit bébé Aslan qui est là avec moi. Il a voulu faire la vidéo, ces temps-ci, il se colle vraiment à moi, je sais pas pourquoi. Tout d'abord, aujourd'hui, on est le 14 septembre, le jour où je filme, donc la vidéo sort demain le 15 septembre, voilà. Et il fait hyper beau en Bretagne, c'est un truc de fou, il fait 24 minimum à l'ombre dehors, donc voilà, en Bretagne, il ne fait pas que pleuvoir. Voilà, donc on a beaucoup de chance et je suis vraiment désolée, j'ai pré-enregistré plein de vidéos et j'ai remarqué qu'aucune fois depuis le début des vidéos de septembre, je ne t'ai souhaité la bonne rentrée. Donc ça fait au moins 12 jours, voire un peu plus ou un peu moins que tu es rentrée peut-être à l'école, que tu es rentrée à l'université, au lycée, à la fac, peut-être retour au travail, voilà. Donc je te souhaite une bonne rentrée et peut-être même que l'un de tes enfants a fait sa première rentrée à l'école. Donc c'est quelque chose, je pense, dans la vie de parents. Voilà, bref, en tout cas le petit message est passé. Je te fais du coup montrer la Birchbox du mois de septembre où qui a marqué comme ça « You go girl », c'est « Vas-y meuf ». Donc ça c'est vraiment pour les filles, hein. De toute façon la Birchbox, je le rappelle, est à 13,90€ par mois pour 5 miniatures à l'intérieur, plus un cadeau, voire plus, voilà. Et franchement, je trouve que l'idée est très très bien. La box se présente ce mois-ci en tiroir et du coup ça fait plaisir parce que moi je préfère largement en tiroir pour réutiliser les box. Et du coup, elle est avec des rayures comme ça, rose pâle, un bleu un peu canard, rose... rose un peu plus prononcé et un rose un peu plus fuchsia, voilà. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. On a tout d'abord le petit livret avec à l'intérieur les produits de la box. Donc on va pas se spoiler, on va pas regarder. Il y a l'édito, il y a des petits tutos make-up, il y a des petits jeux aussi parfois. Il y a des box en édition limitée ainsi que des produits en édition limitée. De toute façon je te mets le lien de Birchbox en barre d'infos, voilà. Et puis voilà, il y a un petit concours là, vous allez adorer la rentrée, 4 fois 1 000 € à gagner sur birchbox.fr/concours-rentrée-2019, voilà, tu peux peut-être screener, hop là, il y a bébé qui est parti, voilà, tu peux screener et puis comme ça tu peux aller essayer de faire le concours pour tenter de remporter 1 000 € de produits chez Birchbox. Voilà, bref, je vois qu'on a tout d'abord une petite carte cadeau qui vient de Mac, voilà. Elle est de 15€, ouais, comme j'ai dit. Ils disent de dépenser du 1er septembre au 15 octobre 2019 exclusivement dans votre boutique Mac. Alors moi, je n'ai pas de boutique Mac très proche de chez moi. Il faudrait que je regarde où est-ce qu'il y en a une la plus proche possible. Sinon, si je n'ai pas de boutique Mac à côté de chez moi, et vu que c'est valable jusqu'au 15 octobre, je la ferai gagner sur Instagram, voilà. Si vraiment je vois, là je te mets ici, si oui ou non je te la mets à gagner. Mais si elle est à gagner, je te la mets à gagner sur Instagram, voilà. Tu n'as juste qu'à me suivre sur Instagram. Et puis voilà, il y aura la petite photo là, d'ici bah, soit aujourd'hui, soit demain. Voilà, donc voilà pour ça, ça c'est hyper chouette. Merci Birchbox en collaboration avec Mac. Je continue, hop, je pioche ceci, c'est une petite crème Bioderma, on connaît tous cette marque hein, maintenant. C'est Sebium, Matte Control, c'est un soin hydratant anti-brillance, mat et lisse pendant 8 heures. Et donc, on a un petit 15 ml, voilà. Ouais, t'as vu, il y a marqué Sebium, hein. C'est bien ça, hein. Je lis bien. Je vais regarder à la fin, dans les petits calepins, là, combien ça coûte à peu près. Et comme ça, on passe vite fait sur les produits, parce que c'est ça le plus intéressant, je trouve. Maintenant, j'ai pris ce grand tube qui fait quand même 30 ml, voilà. C'est de la marque Kiehl's. Je sais pas trop. Depuis 1851, c'est au calendula. Et qu'est-ce que c'est? Là, il y a marqué les ingrédients. Ok. Ah, c'est un deep cleansing foaming face wash. En fait, c'est, je pense, comme un petit gel nettoyant pour le visage. Voilà, je pense que c'est exactement ça même. Donc, alors, attends, il y a marqué peut-être en français derrière. Voilà, c'est un gel moussant nettoyant visage intense au calendula.
Donc voilà, sympa, le petit gel comme ça. Je continue, je pioche ça en fait. C'est un shampoing de chez Baptiste, hein, ça aussi c'est bien connu. Il y a marqué vibrant et alluring, Marrakech douceur orientale. Instant Hair Refresh, shampoing express sans eau, voilà, shampoing sec. J'aime beaucoup ces petites choses-là et j'en ai jamais en fait. Donc ça c'est très bien pour peut-être amener dans le petit sac quand on veut sortir et puis qu'on fait oh non mes cheveux sont un peu gras. Pchut, on met ça, on masse un petit peu et puis basta. Je continue avec ceci, c'est un déodorant naturel de la marque Respire, naturel déodorant. C'est made in France, c'est au citron bergamote. Et franchement, ça c'est trop trop cool. Voilà comment ça se présente. Et voilà, c'est habillé. Moi je préfère habillé en fait. Ah oui, ça sent bien les deux, hein, citron bergamote. Et ça sent hyper bon, c'est très très frais, j'aime beaucoup l'odeur. Il y a marqué respire naturel, notre corps est magique, prenons-en soin. Voilà, et du coup, ils disent quoi? Qu'il y a du romarin, de la fleur de souci, de l'aloe vera et du citron bergamote. Et du coup, le romarin a des actifs anti-odeur pour rester frais toute la journée, la fleur de souci anti-irritation pour apaiser la peau. L'aloe vera hydrate pour protéger la peau et le citron bergamote duo acidulé pour une sensation de fraîcheur. Et on a un petit 15 ml. Et franchement, ça, je suis trop trop contente. Et on termine par un make-up parce qu'il y a toujours un produit soin de la peau, un produit soin des cheveux, un produit soin du corps, corps, visage, cheveux et make-up. Et sinon, bah, le reste. Voilà quoi. Donc là, on a toujours de chez MAC un rouge à lèvres. C'est le Rétro Matte Lipstick rouge à lèvres. On a ici un 3 grammes et c'est la teinte Ruby Woo. Voilà, comme ça. Il y a marqué 707. Donc on va voir ça ensemble. Donc le rouge à lèvres se présente comme ceci, comme tous les rouges à lèvres MAC. Et les rouges à lèvres MAC, j'en ai seulement parce que j'en reçois de la Birchbox. Donc ça c'est trop cool. Il est comme ça. J'aime beaucoup. Un petit swatch. Hop, voilà la couleur. Limite, je vais peut-être l'essayer. Là, je vais enlever celui-là que j'ai là. Celui que j'ai là, c'est le Tanya Burr Cosmetics. Je mets la référence ici parce que je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui aiment bien savoir quel rouge à lèvres je mets, hein, surtout Leïla, je pense à toi, voilà. Bon, un petit mouchoir. Donc voilà, j'ai enlevé mon rouge à lèvres et maintenant on va mettre celui de chez MAC. Waouh! J'adore, l'application est hyper facile. Je ne sais pas si j'en ai bien mis sur les côtés. Voilà, c'est mieux. Ouais, l'application est hyper facile. Ils sont trop trop bons. Je sais pas quelle odeur il a, un petit peu caramélisé, je sais pas trop, mais en tout cas, je trouve la couleur hyper jolie. Voilà pour les produits de la box. Maintenant, si tu veux être un petit peu curieux des produits de la box, reste jusqu'à la fin. Si c'est pas le cas, bah à bientôt, quoi, hein, pour une prochaine vidéo. Alors, on va commencer du coup, comme j'ai le petit calepin, par le commencement, hein, du petit calepin. Là, on a du coup le petit shampoing sec de chez Baptiste. Ils disent qu'il booste la chevelure et la regonfle grâce à la poudre d'amidon qui absorbe le sébum et donne du volume. Ok. Là, du coup, on a un petit 50 ml en miniature et le 200 ml est à 5,95 € prix abonné. Oui, parce que il faut être abonné pour avoir les prix abonnés, sinon c'est plus cher, je pense, sur le site. Voilà tout. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Son parfum qui mélange musc, rose et bergamote, l'odeur ensoleillée de Marrakech en bouteille. Donc voilà pour ça. Je continue avec quoi?
Oui, avec ça, c'est le gel nettoyant visage au calendula. On a ici un 30 ml, hein, comme je te l'ai dit. Et le format vente en 230 ml et au prix abonné de 25,50 € sur le e-shop de Birchbox. Voilà. Ils disent que sa formulation à base de calendula reconnue pour ses vertus apaisantes, antioxydantes et protectrices. Le fait qu'il dissimule l'excès de sébum et les impuretés sans les dessécher. Il faut juste appliquer une petite quantité sur le bout des doigts humidifiés, masser délicatement le visage et rincer. Voilà tout. Voilà pour cette petite crème. Je continue. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah tiens, c'est celui-ci. La petite crème là de chez Bioderma. Sébium Matte Control. Mate-moi ça, votre peau se la joue ado rebelle à base de brillance et imperfection. On connaît votre sauveur. Voilà tout. Ce soin hydratant régule l'excès de sébum. Il lisse et affine le grain de peau pour une action anti-imperfection. Bye bye les brillances. À vous le teint net et mat. Voilà. Et du coup, non, on termine pas, mais presque la fin. Ouais, il n'y avait pas de petits produits là, genre non, vegan ou quelque chose comme ça. Je regardais comme ça. Du coup, le petit rouge à lèvres MAC là, le 3 grammes, c'est le prix de vente et le prix miniature, quoi. C'est 3 grammes pour 16,58 € au lieu de 19,50 €. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Sa formule riche et crémeuse et son fini mat sans transfert qui n'assèche pas les lèvres. Ah ouais? C'est vrai? C'est vrai que j'ai... Ah, quoique, un tout petit chouïa, j'ai l'impression. Là, j'ai l'impression qu'il y en a un tout petit peu. Mais du coup, c'est sans transfert et ça n'assèche pas les lèvres. Et bah franchement, si c'est ça, je l'adopte tout de suite, pour toujours. Parce que j'adore faire des bisous à mon chéri. Et il déteste quand il y a des petites traces de rouge à lèvres. Mais... Ce que j'utilise, généralement, il m'assèche les lèvres. Donc ça, c'est hyper cool. Et du coup, normalement, on termine avec le petit déodorant qui, ma foi, a l'air hyper sympathique. J'ai hâte de l'utiliser. Donc c'est bien de la marque Respire. C'est un déodorant naturel, citron, bergamote ou thé vert. Ah, d'accord. Tu as le choix sur le e-shop de Birchbox de prendre soit celui-là, citron, bergamote, ou celui-là, thé vert. Mais moi, j'ai déjà celui-là d'Yves Rocher, thé vert, donc ça me va très très bien. Voilà. Ah, il est cruelty free. Ce petit déodorant, ça veut dire qu'il n'a pas été testé sur des animaux. Ça, c'est hyper cool. Et du coup, sa formule naturelle vegan, sans ingrédients nocifs pour notre corps. Attention pour les femmes enceintes, la version citron bergamote contient des huiles essentielles. Oui, les huiles essentielles, c'est très mauvais pour les femmes enceintes et pour les enfants en bas âge. Donc, à exclure de votre vie quotidienne, hein, avec les huiles essentielles. On adore le fait qu'il neutralise les odeurs sans irriter et en nourrissant la peau. Son flacon 100% recyclable et son format mini à emporter partout. Donc là, on a le petit 15 ml et le 50 ml sur le e-shop Birchbox est à 8,42 € prix abonné au lieu de 9,90 €. Voilà, et ben je pense que j'ai fait le tour de cette Birchbox, voilà, de rentrée. Donc encore bonne rentrée à ceux qui sont rentrés à l'école ou alors au travail, voilà. Hein. Désolée d'avoir loupé cette étape importante. Bref, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je te mets les liens en barre d'infos. À t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui ressemble à ça juste là en bas. Et n'oublie pas la petite cloche de notification, ça te préviendra dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine. Salut! Ah, c'est vrai qu'il est sans transfert.